La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend ! Martinique Actualité. Vous avez la parole, c'est l'heure de votre avis compte. La question, êtes-vous surpris par l'ampleur du score 12-0 infligé au Golden Lion par l'équipe de Lille en Coupe de France? Nous vous écoutons. Non, pas tellement surpris, je m'attendais déjà au score. Non, parce que ce sont des professionnels et puis voilà, c'est une petite équipe et puis ça va leur apprendre là, que les renforcer. Pas du tout, pas du tout. C'était prévu pour, par rapport à la différenciation de niveau, oui, c'est ça, absolument. Pas vraiment, parce que c'est le LOSC, hein, ils sont en Ligue 1 et forcément, c'est chaud. Hein. Donc voilà, du coup, c'était prévisible. Mais on va pas y assez. Si Martinique est trop prétentieux, il n'y a pas parlé trop. Avant de partir, il y a eu ce qu'on a fait, l'eau par la marée. L'autre n'a pas attendu. L'autre n'a pas savu, il n'a pas venu. Et puis, on a joué, il a chapé ses 12 billes. Il a chapé ses 12 billes. On ne peut pas battre la main à ça. On ne peut pas battre la main à ça. On bien connaît les 12 billes. Non, je ne suis pas surpris. C'est une équipe de Ligue 1 contre une équipe locale. Bon, c'est quand même assez élevé, mais ce n'est pas le même niveau. Donc, c'était assez compréhensible. Je ne fallait pas non plus attendre une victoire de chez nous contre une équipe de Ligue 1. Bon, après, effectivement, le score est extrêmement élevé. Ça aurait pu, réduire l'écart. Ils n'ont même pas réussi à marquer un but. Mais c'est pas assez surprenant, mais sans l'aide vraiment. Quoi. C'est quand même compréhensible. Pas du tout surpris. Car... on va dire le niveau. Voilà. Parce que regardez bien en Martinique, les gens qui sont en sélection, dans le club, ils s'entraînent pas, ils sont vedettes. Et puis avant mouillé maillot, on venait dans un club, on aimait le club. Maintenant, c'est une question d'argent. Si mon marché en bille, quoi va maintenant, si mon enfant passe le marqué, quoi va maintenant. Alors le truc c'est. Moi j'appelle ça de l'amusement. Ils viennent parce qu'ils oui, mais ils ne prennent pas ça au sérieux. Voilà, c'est mon avis. Zéro. Oui. Ah oui, parce que ça fait mal. Hein. Mais on était dessus là. On croyait qu'on allait faire quelque chose, mais on n'a pas de la force. Hein. Okay. D'abord, bonjour. Je ne suis pas surpris par le score infligé parce que vu que ce n'est pas la même catégorie comment dirais-je, par rapport à une ligne 1 avec, je dirais pas un petit pousset, mais je dirais plutôt que en réalité le football c'est le mental, parce que ça m'est arrivé de voir il y a quelques années, il y a eu Calais qui a joué contre Nantes et Calais avait gagné Nantes, ça n'a rien à voir. Et je pense que Golden Lion, il manquait un tueur sur le terrain, un buteur, et c'est question de mental. Ils n'ont pas su tenir correctement par rapport le mental, mais je pense qu'ils ont bien tenu le coup quand même, malgré le score qu'on leur a infligé. Pas du tout, monsieur. Parce que déjà au départ, le tirage au sort, la différence de niveau, première division et régionale, avec les machins. Je ne suis pas. Mais pas du tout. Et je sais peut-être pas en 20. O News Radio sur outremernews.fr.